Âgé de 22 ans, Laurent Pecou ne dédaigne pas de se retremper aux sources en regardant jouer les jeunes, mais il songe surtout aux offres alléchantes de professionnalisme qu'il a reçues de Nantes et de Marseille. Il faut l'écouter attentivement car son raisonnement est parfaitement logique. Il ne lâchera pas la proie pour l'ombre. Chez moi, puisque je quitte ici mon pays, je vais très loin. Regardez la distance qui sépare de la France de la Côte d'Ivoire, elle n'est pas petite. Alors je leur ai dit que voilà, je quitte mon service et je vais faire du professionnalisme. Et si je reçois une infirmité quelconque, je suis baisé, je ne joue plus pour vous, je n'ai pas du sou. Alors il faut que j'ai des garanties sûres. Alors on ne s'est pas convenu, ils ont dit bon, allez, je vais demander aux plus grands qui sont là-bas, je vais leur suggérer la question et on va tirer une conclusion. J'ai dit bon, d'accord, et il faudra leur suggérer la question, tout ce qu'ils diront, et vous venez, vous allez me télégraphier ou bien par téléphone et on va conclure tous ensemble. C'est ainsi qu'ils sont partis et rien jusqu'à présent. Mais pourtant, ils m'ont amené le billet pour que je vienne. Et ils ne m'ont pas amené le pognon. C'est ainsi que je suis là encore. Parce que vraiment, vous voulez avoir des garanties financières très sérieuses si vous partez. Très sérieux. C'est ça. Et j'aime ça que vous-même... Vous savez qu'en France, par exemple, je prends le cas en Europe. Oui. Quand un club sollicite un joueur en Europe, je crois qu'il a des garanties. Il a des, comment dirais-je, comment on appelle ça, Oui, on lui verse une prime d'engagement. Enfin, c'est y a ça. Ouais, ouais. Et c'est pas petit. Oui. Alors, il y a un certain moment en Afrique, on prenait les joueurs comme ça et puis on allait et puis il n'y avait rien et tout ça là. Alors, c'est ainsi que les joueurs n'arrivent pas à percer. Alors moi, je voulais quelque chose dessus et avant de partir. Oui. Et j'espère qu'ils m'ont compris. Ils n'ont pas trouvé ça mauvais. Mais vous croyez que vous pourriez vous imposer dans une équipe professionnelle française avec votre jeu, ce serait difficile pour vous ou pas? Peut-être que... Je crois que je peux m'imposer, mais dans les débuts seront peut-être difficiles. Mais après, peut-être que quand je serai acclimaté ou bien habitué, peut-être que je peux m'imposer. Ça dépendra des conditions, de l'atmosphère. Nous allons en avoir un exemple à la 7e minute du match. Avec cette très belle ouverture en pointe, un centre de l'ailier Bailly à l'intention de Pecou, 1-0 pour la SEC. Douzième minute, une attaque solitaire de Pecou qui dribble un puis deux adversaires. Le troisième n'aura plus que la ressource de le faucher dans les 16 mètres. Pas de problème, penalty, Pecou s'en chargera lui-même.